Salut tout le monde, c'est Rubens, je suis hyper content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est parti pour un mini derby, enfin un petit derby entre le Stade Lavallois et le Stade Malherbe de Caen. Ça va être une super ambiance vu qu'il y a le retour des COP Laval-Crew-Gotans. Et du coup ça va être une superbe vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Allez on est parti. Alors avant tout bien sûr abonnez-vous si ça vous a plu, likez la vidéo aussi et partagez la vidéo et mettez un commentaire même si ça ne vous a pas plu ce que vous en avez pensé de la vidéo. Voilà, on est parti pour la vidéo. Alors maintenant comme vous savez le petit rituel de vidéo c'est avant d'aller au match je vous fais découvrir un endroit de Laval et là ça va être un peu spécial vu qu'on va à l'endroit où se passe le match, c'est-à-dire au stade Francis Lebasserre que vous allez visiter avec moi, du coup, voilà, je vous laisse avec les images. Alors avant de partir au match, je voulais remercier mon père, car sans lui, il n'y aurait pas eu la vidéo, vu que moi dans le COP, je vais arrêter de filmer pour toute la saison, et puis pour après, je pense. Du coup, il a accepté de filmer des bouts du match et de l'ambiance, voilà. Du coup, je le remercie, vu que c'est lui qui a sauvé la vidéo. Allez, on est parti pour le match.
Alors le match est terminé, et quel match franchement. Le Stade Lavallois, à la mi-temps, il y avait 0-0, un match où les deux équipes se regardaient. Il n'y avait pas forcément beaucoup d'occasions, mais c'était quand même un bon match. Et puis à la 78e, je crois, le Stade Malherbe de Caen ouvre le score sur un super beau coup franc. Et là, on se dit que Caen va tenir le résultat, vu qu'ils n'avaient jamais pris un but cette saison en 4 matchs, et du coup jamais perdu, même fait un nul. 4 matchs, 4 victoires et 0 but encaissé. Et là, il y a deux jeunes qui rentrent, Noah Mupemba et Lewis Martins, deux jeunes du Stade Lavallois. Et puis Martins provoque une faute à la 92e minute, je crois aussi. C'est Vargas qui le tire, et puis il tire le coup franc, et c'est contré par un défenseur du Stade Malherbe de Caen. Et Laval égalise et encaisse le premier but du Stade Malherbe de Caen de la saison. Du coup, déjà un partout, c'était incroyable. Et là, le deuxième jeune qui rentre, Noah Mupemba, provoque un penalty et Chukwunte le transforme à la 95e minute. Le Stade Lavallois s'est imposé 2-1 face au leader, le Stade Malherbe de Caen, alors qu'on perdait 1-0, et puis dans les arrêts de jeu, on a mis 2 buts. Voilà, ça veut dire qu'un match n'est jamais terminé. Alors en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager la vidéo, et à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, ça me fait toujours plaisir de voir vos réactions, ça peut m'aider aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Allez voir mes dernières vidéos, il y a notamment Angers, Nantes, contre Rodez aussi. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. C'était Rubens!